dernière fois sur un sol se délève. Faut que je tape et je tape. À quoi ça fait des formes de 10 gamins, je l'étais le futur, c'était la 30 de 10. Maintenant c'est clair, l'écologie qui marque une vers les eaux. Et je frappe dans la vie, trop speed à F0. Je suis à fond depuis le démarrage. Acquiert les compétences de mes ennemis dans mes gamins. J'avance, écarte-toi si tu as peur de perdre. On sort dans ta la gueule, ne tienne. Mes blagues, ma tête bouge, sur fond de but, passe au diable. Je vendrai ni mon âme ni ma Dreamcast. C'est comme si le logo sur mon vêtement. La défaite c'est pour les perdants. Ils ont des Warzone et m'entraîne chaque jour. Chaque jour, champignons magiques sur mon parcours. Welcome to my cribs. Le pro gaming, c'est des joueurs qui sont déterminés à progresser dans la pratique du jeu vidéo. C'est des gens qui vivent à fond leur passion. C'est-à-dire que, qui ont exploité les jeux vidéo depuis très longtemps. C'est une autre manière de jouer. This industry in particular is really about the players themselves. Moins de diversité aussi, se spécialiser dans un jeu. Become a professional fighting gamer, it's like a professional, that means like your job. And if you can survive by winning tournaments, that could be your job. Et donc oui, il y a du potentiel, je pense qu'on pourra encore grimper un cran au-dessus dans les années à venir quoi. Almost all competitive games or activities or sports have a similar psychology behind it. Ce qui est intéressant, c'est quand les gens se réunissent pour jouer, ils jouent, mais c'est surtout pour discuter, avoir la notion d'esprit, de challenge, etc. Ça, c'est ce qui est intéressant dans les jeux de combat. Voilà. On va se défie entre gangs, il y a une réelle culture qui se développe et des échanges. It's like a daily job where you work 9 to 5. If there's anything not hardcore about this, then I don't know what hardcore is. CVS2, c'est The jeu, c'est pas pareil. Pas baissé au moment du freeze, c'est mort, tu bouffes la furie.